Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max TV. Oui, la chaîne du Japap du Béret. Oui, c'est nous. Le journalisme, c'est nous. Hein? On fait du journalisme, hein? Du bas quartier, mais c'est le journalisme. On n'est sauf que sur ça. Allez dire, ça c'est votre problème. Allez dire, nous on fait notre journalisme. Nous on est journalistes. Donc, laissez-nous ça. La famille. Hein? Antala. Il y a une femme là que j'apprécie beaucoup sur le net là. Reine de Saba. Reine de Saba. Elle dit souvent des trucs très pertinents. Oui. Elle a évoqué le thème de... le sujet de Antala. Antala, j'espère qu'entre tes rifirafs et que tu as fait avec le beauté, oh, c'est ma mère, le beauté, oh, ma ceci là, il n'y a pas eu affaire d'une peptulisation là-bas, ou bien d'une niérétisation là-bas, hein, j'espère. Parce que le beauté, elle l'enregistre. C'est une enregistreuse internationale. Après, on va comprendre là qu'elle a les tenues, ou bien c'est que elle a peut-être la conversation que ta mère te grondait, ou bien peut-être une conversation que ta mère a dit que peut-être ton truc ne se lève pas, ou bien peut-être ta mère a dit que peut-être tu pisses au lit, on ne sait jamais, par exemple. Donc, attention. Attention. J'espère qu'elle n'a pas ça. Donc, elle, ça va, elle a raison. Oh. Ah. Elle a raison. Hmm? J'espère que ce n'est pas le cas. En tout cas, mettons d'abord la vidéo de Reine de Saba, comment elle a évoqué le sujet là. Après, je vais encore vous expliquer quelque chose. She said she want me back. I never paid a promise to be faithful to you. Till the day she got me called. I thought she was... J'espère que Antana voit ce qui se passe. Parce que ça ne va pas l'échapper. J'espère qu'il n'a pas encore donné le numéro pour qu'on parle à ses parents. Parce que qu'ils sachent que tout est enregistré, oui. Quand c'est Axel, Koro, alors qu'on sait tous que les applications gardent les conversations. Mais les applications ne lancent pas les enregistrements de vidéos seuls. Donc s'il y a eu enregistrement de vidéos, enregistrement de bruit, ça veut dire que c'est des choses qui ont été faites pour pouvoir faire du chantage après si jamais on ne veut pas de toi. L'amour est forcé, mes gens. Hmm? Rwanda est... Bon, maintenant, on dit que Buzz... Quelqu'un ne t'a pas demandé le billet d'avion. Il t'a dit qu'il attendait que son brouteur paye son billet d'avion. Tu décides de lui offrir le billet d'avion. C'est ton problème. C'est ton choix. Parce que c'est comme ça qu'ils ont donné l'argent ici à Aya pour l'avocat. Aya n'avait rien demandé. C'est devenu le chantage. Donc, Antana, j'espère que tes yeux sont là. Sa voix. Parce que ça va devenir... D'ailleurs, même, on t'a conditionné, non? On finance ton clip à une condition. Que Pasta Huile de Galba doit paraître dans le clip. Tu ne vois pas qu'il y a déjà chantage même dès le début, même avant d'avoir financé. Hmm? Ce genre de femmes qui disent que oh, mon poitou est tout, oh, moi garçon, ne peux pas me quitter. Mais tu payes l'homme, même avec l'argent, on refuse là. Ça veut dire que quoi? Franchement, moi je dis seulement une chose, pour qu'on t'asse pas faire attention. Oui, si elle ne fait pas attention, elle risque de finir comme sa tante. J'ai dit ça, je dirais, Antana, la vidéo, c'était pour toi. Oui. Les gens qui disaient que Koro, Axel a enregistré, Axel n'a jamais enregistré. Voilà les vrais enregistrements. Pourquoi vous ne vous parlez? Pourquoi ça ne vous énerve pas? Hein? Tous des femmes qui aiment, qui sont d'engouement, forceuses d'amour. Absolument. Non. Ce que vous voulez dire, c'est que Lolo Beauté elle-même a dit, elle a dit à Tiesco, elle a dit dans sa vidéo que Tiesco le Sultan, moi, nous, on t'avait averti de ne pas t'approcher des Makoso. Oui. Ça veut dire quoi? Que nous sommes dangereux, oui. Nous, on brûle. Tu nous touches, tu te brûles. Donc, attention. Elle-même dit, hein. C'est pas quelqu'un qui est venu inventer. Elle-même dit, on t'avait averti de ne pas t'approcher des Makoso. Hum? Ah! Donc, Antalao, j'espère. Hum. Tu as vu d'abord, heureusement que tu as d'abord refusé l'affaire de clip là. Oui. Oui. J'espère que comme ça tu éloignes petit à petit parce que hein, c'est chaud. Le robot est en train de dévoiler les trucs que les gens disaient non, les magos sont comme ça, on disait Aka. Même Axel, on disait ça. Quand il était avec Kim, on lui disait
t'approches pas de Makoso, mais comme Kimi, elle est douce, vous savez. Kimi, elle est différente, elle est douce. Mais il a fallu que l'autre te vienne encore se mettre dans ça. Pourtant, ils n'ont pas une bonne relation avec Kimi. Oh. Lolo et Kimi n'ont pas de bonne relation. Ce n'est pas comme c'est des tantes, une relation, bonne relation, non. Mais elle est quittée loin de là-bas, la France et Venise, s'installer en Côte d'Ivoire juste pour s'immiscer dans l'histoire de Kimi, Arcel et Kimi. Elle a gâté. C'est comme ça. Donc, les gens avaient même raison de dire à Arcel que. Parce que les deux là, Makoso et sa soeur, elle-même elle dit, oh, c'est pas moi, oh, c'est elle-même qui dit. Oui, c'est elle-même qui dit que Jean t'avait averti de ne pas t'approcher. Donc, Antalao, j'espère que tu es clean de ce côté-là. C'est rien qu'une petite inquiétude. Hein. Je ne veux pas que demain là ça explose. Que peut-être tu réponds mal à Lolo Beauté. Après, dis, hé, rends-moi l'enfant ici. Rends-moi le cric ici. Moi, quand j'ai vu ceci, hein, je t'ai vu cela. Oui. Hein, j'ai même les photos, même. J'ai les enregistrements de. C'est comme ça que ça va terminer. Bovan a été sage comme un bon Camerounais. Il a de loin. Elle fait ses histoires qu'elle veut pour ses obèses. Eh non, loin. Très loin, comme vous ai conseillé. Oui, très loin, le genre de personnes comme là. Loin de toi, loin de vous. Ça détruit tout ce qu'elle touche. Le genre de personne qu'elle touche, tout est détruit. C'est comme ça, quand elle touche, elle détruit. Attention. Donc, c'était juste un petit truc là pour Antala. Ok. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous et hasta pronto.